C'est dur pour tout le monde, pour les supporters, et pour les fans, pour les dirigeants, les entraîneurs, le staff et pour les joueurs. C'est assez lourd. Ça discute beaucoup, il y a un peu de tension, mais bon après, voilà, si on a quelque chose à dire, on se les dit en face et on avance. On ne remet pas en cause le plan de jeu, c'est juste nous. Sur les trois défaites, il manque de la réussite, il manque un peu d'engagement, un peu d'envie. C'est une équipe en construction avec de nouveaux joueurs qui n'ont pas tous d'expérience, et même les joueurs qui ont un peu plus d'expérience, parfois sont un peu plus dans le dur. On est un petit peu en perte de confiance, mais les autres équipes aussi ont élevé leur niveau. Peut-être que nous, au début du tournoi, on était un petit peu en dedans, même si au fur et à mesure, on a su réagir et relever la tête. C'est vrai qu'on parle beaucoup de calendrier, de la mise à disposition des joueurs internationaux, mais ça fait des années qu'on entend parler de ça et pour l'instant, on ne voit rien bouger. On peut dire qu'on joue trop, on peut dire qu'on est fatigué et tout, mais bon, ça ne change pas forcément parce qu'ils rajoutent un match en plus avec ce quart de... C'est ce quart de finale. J'ai pas envie de faire de polémique et voilà, on joue et moi, s'ils me rajoutent un match, je suis content parce que j'aime ça, donc voilà, on n'a pas été bon, on va pas chercher la cause à droite et à gauche, il faut se regarder et se poser les bonnes questions. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir un calendrier commun dans le monde entier, que ce soit entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais avant d'arriver là, de l'eau coulera sur le pont. On s'est accroché. Ça a été compliqué, c'est sûr qu'on n'a pas fait la plus belle coupe du monde, mais en tout cas on est arrivé au bout et on a failli gagner. Donc on a été beaucoup critiqué pendant, avant et pendant. Si on n'était pas un groupe soudé, on n'aurait jamais pu arriver jusqu'au bout. Et finalement, certes, il y a eu plein de choses, mais ça reste interne et on a bien réagi. La coupe du monde a révélé aussi certaines choses. On a pu voir aussi que malgré, pendant des périodes difficiles, l'équipe de France a su relever la tête. Donc c'est vrai, en ce moment, dans le dur, mais dans le passé, on l'a été aussi parfois. Donc continuer de croire en nous, de bien s'entraîner, de positiver. C'est vrai qu'avec les cheveux longs, on me reconnaît, surtout par rapport à mon poste, talonneur, il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, les couper, ce serait pour passer à une autre personne. Donc non, je pense que je vais les garder. C'était un pari à la base, je les ai gardés, mais je n'ai pas un contrat. Pour, tu vas à la Chabal, c'est-à-dire où tu non, non. Ta barbe. Ouais, non, je n'ai pas ça. D'accord. On me met souvent la pression, cette année on va te couper les cheveux, mais bon, c'est jamais arrivé, donc je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça, mais non, il respecte mon image, ça va. Avant la finale, il nous avait mis sa musique dans le bus, c'était sympa. Depuis qu'il est arrivé, l'équipe de France n'a plus perdu, donc c'est un petit peu le sauveur de l'équipe de France. Donc ça va pas trop lui plaire. Il faudrait lui demander les titres. C'est exact. Je m'en souviens plus trop, mais non, mais c'était sympa de sa part. On a tous écouté la même musique avant d'aller à la finale, grâce à Dimitri.